Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS 4. J'essaie de m'installer confortablement sur mon siège avant de commencer parce que c'est stupide de ne pas pouvoir bien s'asseoir et après vous me sentir pas à l'aise pour vous parler, pour vous faire ce petit let's play comme d'habitude. Bien, on avance un peu quand même sur le jeu. On a le mode multifonction hein, qui est super. J'ai découvert ça sur l'autre let's play. Que je vous conseille de voir, c'est le let's play de bien sûr que vous connaissez tous, c'est le let's play de l'Iran que je vous conseille de regarder parce qu'il est incroyablement intéressant aussi, donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille de le regarder tout autant. Alors, pénurie d'électricité, grogne, insécurité, ça c'est pas un problème, nous allons régler tout ceci avec pragmatisme. Peuple vous aime, je suis heureux de l'apprendre, mais je m'en fous un petit peu. Prochain excédent trimestriel, ok, on a triple A, reporting. Notre reporting annuel sur le transport fait apparaître un parc électrique en progression pour atteindre environ 26% au parc total. Cela devrait jouer à la baisse sur la pollution atmosphérique, particulièrement nocive dans nos grandes agglomérations. Et il est possible que cela soit réel du fait que... attendez que je regarde. Où est-ce que c'est ? Sécurité, terrorisme, inégalité de revenus. D'ailleurs, et au niveau des inégalités de revenus, on est au coefficient de Gini. Waouh, c'est pas génial. Hein. C'est lequel le meilleur état? C'est l'Afghanistan. Quoi? L'Afghanistan, alors qu'il y a la guerre et tout. Mais ils sont les plus égalitaires. Ah, c'est stupide. Ah, c'est pas grave. Oh mon dieu, c'est stupide. PIB. Oh, je suis deuxième, la deuxième plus grande puissance économique. Ah oui, c'est vrai, j'ai annexé l'Allemagne aussi. Donc c'est normal. Mais waouh, c'est super étonnant quand même. Je suis étonné. Je suis quand même étonné. Donc bon. Ah, ça va. On a une bonne. On a quand même une bonne. Bon, vous m'avez compris, j'ai du mal à parler là, d'un coup, là, je sais pas quoi dire. Flux migratoire, je suis très très intéressé par tout ça. Alors au niveau de la religion d'ailleurs, ah ouais, 55% parce qu'on a un mélange. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens en... Ah oui, c'est la Chine. Zut, pourquoi je suis au Liban, en Palestine, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Honte. J'ai honte de ce pays traite ainsi les vieillards. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont encore, les vieillards? Écoute, moi, j'ai augmenté le remboursement des soins de ville. Si cela ne... Oh, pas trop, en fait. Tout compte fait... Le minimum vieillesse, c'est que ça. Oh. Ça va nous compter 38 milliards, comme si c'était énorme. Et c'est beaucoup. Oh, purée, je pensais pas que ça serait autant. Les prisons saturent. Ok, alors, il y a une manif, c'est qui? Le truc anti-patronal. Ah ben oui, vu que c'est pas faux. Étant donné que j'ai augmenté... Il est où le dernier manifestant? Mais qu'est-ce que vous faites? Allô? Attaquez-le! Regardez ça. Allô, oui, nous sommes en plein congrès, il y a des manifestants, enfin, il y en a qu'un manifestant. C'est trop dur, il y a deux policiers, ils sont, c'est beaucoup trop difficile de pouvoir l'attraper, l'attaquer. Et putain, je leur donne l'ordre d'attaquer. Attaque! Attaque! C'est une blague. Mais pourquoi ça veut pas attaquer? Ah, peut-être c'est à cause de ça, là. Alors, mec, juste t'as le manifestant à côté de toi. Moi, je dis ça, j'ai rien. T'as juste un manifestant à côté de toi. Oh là là. Il est mort. Nous avons marqué le mouvement insurrectionnel. Plus aucun élément subversif ne traîne dans la ville désormais. L'ordre est revenu et nos hommes regagnent leur cantonnement.
Ah, c'est trop drôle. Le mec, j'ai juste lancé une bombe lacrymo et il est mort. Non. Oh non, c'est trop triste. Oh non. Oh zut. Ah, je suis triste pour lui d'un coup. Ah, ça fait mal. Oh mon dieu. Oh non, il est mort. Autoroute Namur, autoroute Liège. Oh! Autoroute Reims-Metz. Autoroute Dijon. What the fuck? PJ. Ah, ça doit être. Non, ça doit pas être la mienne. Non, c'est pas la mienne. C'est Paris, peut-être. Paris, aéroport de Paris-Orly. Ligne Paris-Strasbourg. Ligne Paris-Tours. Ligne Bordeaux-Tours. Bordeaux-Tours. Ah, et on va casser cette centrale de Blaye. Biarritz. Waouh, on a Bilbao à côté, quoi. On pourrait mettre, je sais pas, quelque chose. Ah, j'ai cru que j'avais mis le jeu en pause. Je me disais, comment ça se fait qu'il y a un avion civil qui arrive? Non, en fait, je me suis complètement trompé. Ok. D'accord. Alors, déjà, on va mettre un peu plus d'informations et dans le contre... J'aime bien la vie. Putain! Mais ça coûte trop cher! Mais c'est quoi, ça? C'est quoi ces trucs hors de prix? On se croirait... je sais pas... J'ai du mal à parler. On se croirait dans une gare, dans la gare de Bordeaux, de Bordeaux-Saint-Jean. Ou quand tu vas t'acheter, je sais pas, un petit truc à Paul ou à la brioche dorée. Paf, cette facture hyper chère alors que c'est juste un sandwich à la con. Ah, c'est dommage. Alors que si tu fais ton propre sandwich, eh ben, tu gagnes énormément, quoi. D'où le fait que maintenant j'y pense, mais moi je vais faire toujours mes sandwichs. Hein. Pensez à faire vos sandwichs. Par contre, moi je vous conseille quand même, si vous êtes à Bordeaux, vous arrivez à Bordeaux et que... Ouais, Bordeaux c'est pas là, c'est ici. Hein. Déjà il y a un problème hein, au niveau de Bordeaux. C'est pas là, c'est là. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, si vous arrivez à Bordeaux et que... à Bordeaux-Saint-Jean, à la gare Bordeaux-Saint-Jean, si vous prenez la LGV ou quoi. Vous avez plein de restos à côté, devant le Bordeaux. C'est très beau et vous pouvez... Ça va, j'ai déjà mangé là-dessus. Il y a une pizzeria, elle est très bonne. Donc, voilà, je vous conseille quelques restaurants si vous allez à Bordeaux. Étant connaisseur de petits restaurants sur Bordeaux. Voilà, si vous avez des questions sur Bordeaux, sur... Resto, n'hésitez pas. Je suis un connaisseur hors pair. Alors, électricité fossile, électricité nucléaire. Ah ouais, en vrai, on n'a rien du tout de nucléaire. Objectif 18. Ah oui, c'est vrai, on en crée plein là, de parc, un beau parc nucléaire. Électricité éolienne. Waouh, éolienne terrestre, ça nous fait énormément. Je pensais pas. Mais ils sont où les éoliens? Ils sont en Allemagne. Pour que ça soit si performant. Moyenne. Bah alors c'est où? Ah, il y en a un ici. Ça doit être pas mal. Non, c'est nul à chier. Moyenne. Si on descend vers la montagne... Je pense pas. Moyenne. Ici. Moyenne. Vers la Côte d'Azur. Avec Nice. Non. Ici. Ah, l'Espagne, pas trop. Hein. Ah, ils veulent pas que je sois à côté des Basques. Pourquoi? Vous avez peur qu'ils cassent l'éolien? Alors, on va en mettre une ici. Hein. Écoutez, bon, je sais pas combien ça va faire en électricité. Écoutez. En vrai, c'est pas très très réaliste hein, les éoliennes, hein, parce qu'ils font pas, ils produisent pas chaque heure autant d'électricité. Hein, c'est disparaître. Hein. En vrai, soit il y a du vent, soit il y a pas de vent. Hein, donc, faites attention. Il n'y a rien à redire. L'événement a été relayé par les télés du monde entier. Les plus grandes stars internationales étaient au rendez-vous. Ah, c'est génial. Alors, patrimoine, monument va faire plaisir à comment il s'appelle.
le chef là du loto FDJ patrimoine qui passe sur France 2 en plus. Oh, et en plus il y a Bob Lennon, il imite tellement bien. Je me rappelle plus de son nom. Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Ah, c'est triste. Je me rappelle plus. Alors, tu déconnes. Oui, je déconne. Je t'aime. Enlèvement d'un journaliste au Koweït par le groupe terroriste Force Chiite. Résistante. Oh, c'est pas bien ça. Ah, le nombre de criminalités. Ça passe. Oh putain, ça va me faire mal aux fesses. Les patrons sont pas contents, bah, je comprends, vu que c'est eux qui ont les taxes. Mais et franchement, les patrons, GPC, vos impôts sur les sociétés qui étaient avant de 30% à 8%. Donc voilà, hein, franchement, faites un petit effort. Hein. J'ai quand même baissé vos impôts énormément. Après, si j'avoue que j'ai pas baissé les charges sociales employeurs, enfin pas beaucoup, donc... Ok, je peux comprendre que vous soyez encore pas content, mais bon. Et en plus, hein, les tranches basses, vous payez rien. Alors, les pauvres, s'il vous plaît, quoi. Les pauvres, ils ne payent presque rien. C'est surtout les riches qui payent, hein. Ça fait quoi si on met à 10%? Là, les gens, ils vont être contents, non? Ils ne paient plus d'impôts. Lutte contre la drogue. La toxicomanie. Ok, j'ai une émeute. La plate. Et c'est qui fait les meutes? C'est qui? La Confédération Nationale Syndicale. Mais putain, mais attends, bon attendez, je vais chercher ça sur internet. Alors, Confédération Nationale Syndicale, parce que je ne comprends pas, je baisse l'impôt sur le revenu des plus des gens qui sont de la classe moyenne. Confédération Nationale Syndicale. Je fais baisser. Et eux, ils sont pas contents. C'est quoi? Alors, je recherche. Confédération syndicalisme. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le monde syndical français, une confédération désigne une organisation nationale ayant vocation à représenter l'ensemble des salariés. Mais alors, vous représentez qui? Confédération nationale. Vous représentez le peuple. Et alors? Et alors? Dans un communiqué. Les affrontements ont cessé dans... Déjà? J'ai même pas intervenu, je crois. Et alors? Mais quel est le problème? Je ne comprends pas. Quel est le problème? Je l'ai fait Oh là 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 là. Et pourquoi j'ai encore des autres émeutes? La famille n'est pas content. L'association Monde... Mais c'est débile. Mais il n'y a aucune logique. Je baisse l'impôt. Je baisse les impôts. Allô? Les impôts, vous comprenez le mot impôt? Mais what? Bon, hein, moi je fais intervenir l'armée. Ah, et d'ailleurs, tout ce qui est syndicat et tout, je crois que je vais les interdire. Hein, parce que, ils m'ont énervé. Ils font chier à faire des manifs, des émeutes, là. Oh là là. Pénible, juste pour ça, là. Ah, ça, c'est pénible. Toc. En plus, je fais intervenir les tanks. Les morts, on s'en fout des morts. C'est bien fait. Ah, les blindés, t'inquiète. Et une manif, pourquoi? Ah, dans la police, ah, je suis d'accord. On va le faire. Ah, c'est tout? Je suis un peu déçu, hein. On pourrait mettre jusqu'à... Allez, au moins 650. Allez, 650 000. Conforme. Oui, le militaire tue. Ben oui, bien sûr, c'est normal. Soulèvement. Et putain. Nous avons... Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ok.
Je crois que je vais interdire. Hein. Genre, la famille, ça dégage. Même les handicapés, ils m'aiment pas. Mais tout le monde m'aime pas. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on ne m'aime pas? Troisième âge, m'aime pas. Mais vas-y, c'est quoi ça? Je m'en fous. Association sous le contrôle de l'État. Sans... Allez hop. Totalitarisme s'il le faut. Décrète la loi martiale. Oh, mais j'ai trop de... d'insurrection là. Mais what? Il y a autant d'émeutes. Oui, fais... Oui, allez. Sans rien. Nous... Ouais, vas-y. Mais quoi? Mais c'est pas possible le jeu, là, il est impossible. Le pays s'apprête à célébrer. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Eh mais je vais baisser les émeutes hein, dans mes prochaines parties parce que là les émeutes ils sont beaucoup trop féroces hein. J'imagine pas si on met les émeutes à 100%, alors là les émeutes ils cassent tout hein. La bataille, ben allez. Oh là là. Premier mort, mais je m'en fous des morts. Gagnez le cœur de votre peuple. Mais tu te fous de moi? La place. Oh là là, mais il y a trop d'alertes, c'est trop chiant. Mais c'est impossible. Mais regardez ça. Mais il y a partout des émeutes. Non mais Regardez, je désactive l'état. Non mais on va refaire. Regardez tous ces émeutes. Alors là, moi, je peux rien faire. Franchement. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui... Mais pourquoi? Pourquoi j'ai autant d'émeutes? Des questions au sein du parti. Nanana, les ministres. Eh bien, parce que j'ai trop de messages et que je peux pas les trier. Non, mais c'est beaucoup trop compliqué, là. Franchement, moi, je peux pas. Hein. Là, il y a 1 milliard d'émeutes. Comment voulez-vous qu'on fasse? C'est beaucoup trop compliqué. Loi votée. Droits de l'homme, les gens, ils sont pas contents. Paf, attention, ça va être encore pire. Ouais, allez, mobilisation. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu n'es même pas capable de nommer les membres du gouvernement. Oh! Oh, ça m'énerve, hein. Alors là, c'est bon, ils m'ont énervé, le jeu. GPS4 m'a énervé. Hein. Alors là, mais c'est impossible, mais je vais me laisser mourir, hein. Ah ouais, là, pouf! Impossible, nous impossible. Nous avons maté le mouvement insurrectionnel. Ah, anime, c'est fini. Au moins... Une ville finie entre 1 milliard d'autres villes. Il y en a au moins une qui est terminée. Mais mon Dieu, mais c'est pas possible. On peut pas faire ça. Dispersement général à Saint-Pierre, là. Les Écosses, ok. La situation... Mais non, sans blague, que j'allais mourir. Ce peuple, il est ingouvernable en vrai. Comment voulez-vous gouverner? Regardez, il y a 1 milliard d'émeutes. J'augmente la pension de retraite, ils sont pas contents. Je baisse l'impôt sur le revenu des ménages à revenu moyenne. Et paf, j'ai des émeutes. Mais c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas.
Insurrection populaire, impopulaire, bah ouais. Pff. Oh là là, mais c'est impossible. Alors à Paris, ça donne quoi? Donc il est tout seul. Tout seul. Purée. Oh là là, non mais vraiment. C'est quoi ce travail là? GPS 4, c'est devenu trop compliqué là, votre jeu. Des émeutes de partout. Juste parce que vous faites un petit truc, vous augmentez une pension, pas content. Vous baissez l'impôt sur revenu, ils sont pas contents. Alors là, je comprends pas. Les gens, franchement, si en France on baissait l'impôt sur revenu, je crois que tout le monde serait heureux. Enfin, tous ceux qui paient l'impôt sur revenu, ça veut dire 40%, 45% du peuple, de la population française. Si je dis pas de bêtises, parce que le reste est exempté. Il y en a beaucoup qui sont exemptés d'impôt sur revenu. Mais... Oh, 0%. Oh, le téléphone pour dire que je suis mort. Allô? Oui, allô? Sur la place centrale. Ah! Nous y voilà. Oh! Ça gronde. Oh là là! Le peuple est descendu dans la rue. Et incroyable. Vous pouvez voir son exaspération. Oh, c'est pas bien. Après tout ce que vous lui avez fait subir, vous deviez vous y attendre, non? Ah bah non, je m'y attendais pas. C'est émouvant, tous ces gens unis dans un même élan. Ah bon? Un vieillard, bras dessous, proférant les mêmes... Les vieillards! Mais j'ai emporté leur pension. À leur place, je réagirais pareil. Ah bon? Mais d'ailleurs, j'y suis à leur place. Démission! Démission! Mais vas-y, t'es payé un milliard d'euros! Voilà, je vais envoyer une bombe nucléaire. Sur Paris! Bam! Oh là là. C'est quand ma fin? Mais mon dieu! Mais mon dieu, c'est beaucoup trop compliqué! Oh là là! Bon, écoutez, on va reprendre la fois prochaine ce let's play. Bien sûr, ça continue, hein, parce que je suis mort là, que c'est foutu. En tout cas, ben, nous, on se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS4. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS4. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ciao tout le monde!